André, on parle beaucoup de les tactiques que Benito amène comme entraîneur. Qu'est-ce qu'une performance comme ça fait pour renforcer les idées qu'il amène à cette équipe? Ouais, ça montre que les idées sont pas mal. Je crois pas que c'est une philosophie complètement différente qu'on jouait avant. Le match ce soir, en premier mi-temps, on prend le but comme ça et je crois que la réponse était 2 minutes après ou je sais pas, dans les minutes après, on a répondu avec le but. Fait que c'était très important pour nous et de là, en deuxième mi-temps, je crois que notre gardien nous a sauvés quelques fois, c'est sûr, mais on a un coup franc pour nous. Marcel la frappe parfaitement et ensuite un peu plus de confiance, on frappe. On essaie de marquer de long et on est là pour la deuxième, un peu plus de confiance. Puis je crois que c'est les buts surtout qu'on manquait avant. Et après que tu marques un et deux, tu réalises qu'un peu plus de confiance et ça change notre jeu. Fait que c'était important pour nous, les buts. Et ça fait du bien de gagner parce que ça fait longtemps. Troisième match de suite que Canada concède un but premièrement avant créer l'égalité. Est-ce qu'il y a une confiance maintenant où même si on est moins un but, ça ne fait rien, on a confiance qu'on va marquer et retourner? J'espère que ça va être le cas d'ici les prochains matchs. C'est sûr que c'était un problème pour nous. Les matchs les années passées, quand on concédait des buts, on avait de la misère à égaliser ou à aller un but d'avant, mais c'était super de notre part ce soir de concéder comme ça et de marquer directement de l'autre côté. Et ça nous a aidé énormément dans la deuxième mi-temps et pour le reste du match. J'espère que d'ici les prochains matchs, on va avoir cette confiance. Merci beaucoup.